Bonjour, je m'appelle Thomas Hervé Mouakoudou. Je suis enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication de Yaoundé. Par ailleurs, je suis le fondateur d'un Fab Lab spécialisé dans la biotechnologie au Cameroun, situé au Cameroun. Alors, j'ai obtenu mon PhD en communication publique à l'Université Laval au Canada avant de retourner au Cameroun pour essayer de mettre mon expertise au service du développement de la nation du Cameroun et de l'Afrique en général. Alors, je suis très heureux de l'invitation qui m'a été faite de donner cette présentation lors de la 22e conférence annuelle sur la bioinformatique et l'open source. Et le plaisir est d'autant plus grand parce que je vais parler d'une thématique qui est à la fois qui à la fois concerne les technologies émergentes, mais et qui a trait au contexte spécifique de l'Afrique, qui est notre contexte. Donc, ma présentation va porter sur la contribution du mouvement MIC dans le domaine de la biotechnologie en Afrique. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir ce que je vais dire tout au long de cette présentation. J'espère que chacun de vous voit mon écran. Je vais passer en mode par diaporama. Alors, comme je disais tantôt, ma présentation porte sur la contribution du mouvement MIC dans le domaine de la biotechnologie en Afrique. Et pour ce faire, je vais adopter une perspective de la science ouverte. Parce qu'il faut dire que bien que mes études soient en communication publique, je me suis intéressé à l'innovation ouverte en Afrique pour francophone. Et par ce fait-là, je me suis beaucoup intéressé à la science ouverte et comment est-ce qu'elle se manifestait en Afrique. Ma présentation va se décliner en trois principales parties. Dans la première partie, je vais vous parler de l'open science, de ma perspective de l'open science, comment je suis venu à la rencontre de l'open science et l'angle par lequel j'aborde cette conférence, l'angle de l'open science par lequel je vais aborder cette conférence. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des initiatives concrètes en Afrique d'open science qui utilisent l'open science pardon, pour démocratiser la biotechnologie en Afrique. Je terminerai ma présentation par des obstacles à l'adoption de l'open science et par conséquent du développement de l'Afrique à travers la biotechnologie. Je proposerai également des pistes de sortie ou bien de contournement de ces obstacles. Alors, sans plus tarder, je vous présente ici un schéma qui explique de façon globale ma perception de l'open science. C'est un schéma que j'ai fait il y a de cela quelques années pour expliquer que l'open science ne se limitait pas seulement aux questions d'accessibilité. Parce que quand on parle d'open science, la version dominante, c'est toujours de dire ou bien de penser qu'il s'agit seulement du libre accès au savoir, du libre accès aux données. Il s'agit de ça, bien sûr, mais ce n'est qu'un pan. Parce que l'open science, c'est l'ouverture générale à la société. L'idée ici, c'est de rompre avec la tour d'ivoire qu'est l'université, mais de considérer la science comme quelque chose qui peut et doit être fait par la dans la société, pour la société et par les membres de cette société-là. Donc, c'est comme ça que je considère l'idée d'ouverture. C'est pourquoi
de façon assez de façon assez synthétique ma définition et ma perception de l'open science se résume comme une dynamique combinaison de trois formes d'ouverture. Parmi ces trois formes d'ouverture, là, nous avons l'ouverture aux publications et aux données, l'ouverture à la société, l'ouverture au savoir et épistémologie exclue. Alors, pour revenir sur la première forme d'ouverture, qui est l'ouverture aux publications et aux données, c'est quelque chose de très connu. C'est même l'approche dominante de l'open science où on retrouve l'open access, l'obligation de publier les données, l'obligation de donner accès au savoir scientifique sans aucune barrière financière ou physique, etc. Donc, c'est cette approche-là qui est dominante. Et la deuxième approche concerne l'approche d'ouverture à la société où on retrouve les tendances comme les citizen science, le mouvement maker et le makerspace. Quant à la troisième ouverture, elle fait référence à la justice cognitive qui a été développée par Shiv Viswanathan et qui stipule que cette justice cognitive, là, qui stipule que dans certains contextes, les savoirs doivent être égaux, tous les savoirs ne doivent pas être considérés. Certains savoirs ne devraient pas être considérés comme supérieurs à d'autres, car tous les savoirs sont contextes, sont égaux, tout dépend du contexte dans lequel on les utilise. Donc, à tout casser, et pour être bref, je dirais que l'open science ou la science ouverte est dans le mélange, cette dynamique, cette combinaison de ces trois formes d'ouverture. Il faut préciser ici qu'elles ne sont pas excluables l'une de l'autre, elles peuvent s'agencer et ainsi de suite. Donc, certainement, beaucoup qui m'écoutent se posent encore la question de savoir quel est le lien entre la bioinformatique et l'open science, ou bien tel que je suis en train de la présenter. J'espère qu'au terme de ma présentation, vous aurez compris et vite perçu le lien que je fais entre l'open science et la bioinformatique. Mais avant toute chose, il est important que je vous dise, que je vous raconte un peu comment je me suis retrouvé dans ce monde de l'open science, qu'est-ce qui a soutenu ma pensée durant ces années. Alors, il faut dire que tout remonte vers les années 2014, quand je prends connaissance du projet OCSDNet, qui est un projet qui a été financé par le CRDI Canada et qui avait dans l'un de ses sous-projets le projet SOA pour sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Alors, le but de ce projet SOA, qui a été écrit par la professeure Florence Piron, de mémoire, était de documenter tous les obstacles qui empêchaient la science ouverte d'être utilisée dans les universités francophones et mieux encore ce qui empêchait les Africains d'utiliser l'open science comme un outil d'empowerment. C'est donc comme ça que je me retrouve dans ce projet-là où je découvre donc les différentes facettes de l'open science que j'ai que j'ai présenté dans la diapositive présente que voici les trois dimensions de l'openness. Cependant, durant tout mon terrain en Afrique et en Haïti, durant tous nos travaux au sein du projet SOA, il y a une branche de l'open science qui m'a beaucoup plus marqué, c'est-à-dire l'ouverture à la société. Et par là même, je me suis donc intéressé en profondeur au mouvement maker, au point où j'en ai fait l'objet de ma thèse de doctorat. Alors, pour tout dire, je vais aborder, c'est donc à travers cette
tendance de l'open science que je vais aborder, que j'aborde cette conférence à travers la tendance du mouvement Maker. Le mouvement Maker en soi n'est pas quelque chose de neuf. Le mouvement Maker de nouveau, le mouvement Maker stipule que les gens ou bien les citoyens peuvent faire des choses d'eux-mêmes. Hein, le do it yourself, hein, c'est l'une des idéologies phares du mouvement Maker que l'on peut faire pour soi-même. Et derrière à côté de ce do it yourself, nous avons également l'éthique hacker qui gouverne les différents makers, à savoir la possibilité de pouvoir le déni de l'autorité, la collaboration horizontale, ainsi de suite, et puis l'envie de faire des choses pour le bien commun. Et la troisième idéologie qui influence largement le mouvement maker, c'est l'idéologie open source, hein, c'est-à-dire les différentes valeurs, les différentes libertés de l'open source. Donc, voilà un peu les traits caractéristiques en termes d'idéologie qui, ma foi, font la particularité du mouvement maker. Au-delà de cette idéologie-là, de ces trois idéologies que je viens de citer, il y a également les valeurs de partage, les valeurs de communauté, les valeurs d'ouverture qui caractérisent le mouvement maker. Donc, pour terminer, en termes de caractéristiques spécifiques, vous avez les pratiques et les outils au sein du mouvement maker. On retrouve toujours une envie d'accompagner, une solidarité autour des pratiques. On retrouve des objets ou bien des outils phares aujourd'hui avec l'impression 3D ou bien la découpeuse laser qui sont des objets phares. Mais toujours est-il que derrière tout cela, on retrouve l'idée de l'open source, l'idée de l'ouverture, la liberté ou les libertés d'agir, de fabriquer, de construire ensemble la communauté qui revient toujours. Alors, le mouvement maker, c'est un mouvement, bien sûr, mais il se réifie, il se concrétise dans des espaces particuliers qu'on peut appeler, ou bien qui ont arboré avec le temps plusieurs noms. Le nom générique le plus accepté, c'est Makerspace. Vous avez Fab Lab qui est largement répandu le nom de Fab Lab. Vous avez des hackerspaces, vous avez des ateliers collaboratifs, vous avez des coworking spaces, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs noms qui existent à propos de qui existent sur le mouvement maker. Hein? Mais toujours est-il qu'il faut rappeler que s'il s'agit d'une tendance de l'open science qui est cette possibilité d'utiliser les ressources, les données, l'information disponible sur Internet, de l'exploiter, de la concrétiser, de la réussir dans le contexte dans lequel nous vivons pour ensuite proposer des solutions qui soient capables de résoudre les problèmes d'un contexte donné. Et une fois que ces données-là sont mises en circulation, bien cette solution-là fonctionne, il est de bon ton de les remettre en circulation, de remettre l'information en circulation pour que cela puisse aider d'autres personnes dans le monde, dans votre contexte, dans votre monde, ou ailleurs dans le monde. C'est tout ça l'idée de l'open science. Alors, ici, de façon spécifique, je vais vous expliquer comment le mouvement Maker contribue à développer ou bien contribue à démocratiser la biotechnologie en Afrique. C'est l'objet même, c'est le cœur même de ma présentation. Comment l'open science à travers le mouvement Maker contribue à contribue à démocratiser la biotechnologie en Afrique. Mais avant d'y aller,
il faut, il y a une diapositive que j'avais oublié de mentionner, c'est les enjeux autour du mouvement maker. C'est-à-dire, le mouvement maker a présente des enjeux économiques. Hein, en termes d'économie, d'enjeux économiques, nous avons l'innovation, l'entrepreneuriat, la quatrième révolution industrielle, etc. Cependant, il y a le revers de la médaille, parce que derrière ces enjeux positifs se cachent également des enjeux qui peuvent être négatifs, notamment les pratiques néo-capitalistes qui peuvent se cacher derrière l'idée même de la recherche du bien commun que véhicule le mouvement maker. Et d'autres enjeux sont plutôt sociaux, où on a la démocratisation la démocratisation des outils, parce qu'à travers le mouvement maker, tous les outils sont mis dans une enceinte, et puis ceux qui n'ont pas accès à certains outils peuvent les utiliser pour résoudre les problèmes de leur communauté. On a l'idée de socialisation, parce que le travail se fait de façon communautaire. Les gens qui viennent se retrouvent, un peu comme l'idée de tiers lieu, où les gens viennent se retrouvent et ensemble essayent de définir, de penser aux problèmes de leur contexte et de trouver des solutions à partir des outils disponibles dans ces espaces du mouvement. Mais que, dans ces espaces où se réunit le mouvement, mais que les enjeux techniques également, avec l'impression 3D, la robotique, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Si on se limite seulement à l'impression 3D, le simple fait de savoir qu'un design ou un code peut être disponible sur Internet sous forme d'informations intangibles et que je puisse récupérer cette information-là, la rendre tangible à travers une impression 3D et résoudre un problème dans mon local, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que le mouvement maker permet aujourd'hui. Notamment aussi, il faut s'apesantir dans le domaine de la biotechnologie ou bien autre chose. Il y a plusieurs appareils commerciaux qui, quelquefois, lorsqu'ils sont en panne à cause d'une pièce qui se serait brisée, ne sont plus utilisés. Alors qu'avec une impression 3D, disons-le de façon naïve, on peut tout simplement imprimer cette pièce et la remplacer. Cette possibilité-là, c'est déjà quelque chose de très important, surtout pour le contexte africain. Alors, comme je le disais tantôt, avant de passer à de revenir sur cette diapositive, le mouvement MECA contribue à démocratiser la biotechnologie en Afrique. Mais comment? Comment? Alors, il faudra que je vous dise que le tout part de la circulation des données, la circulation libre des données, l'idée de open source, une circulation libre des données. Pourquoi la biotechnologie? En fait, parce que la biotechnologie, a de l'impact dans presque tous les domaines, que ce soit agricole, que ce soit de la santé, en Afrique. Bon, c'est pourquoi j'ai voulu juxtaposer ces deux idées-là, les associer pour vous montrer comment est-ce que la bioinformatique et l'open source peuvent contribuer à la démocratisation de la biotechnologie en Afrique. Alors, ce qui se passe, c'est que je vous présente un cas de figure de circulation de savoir. Moi, en tant qu'étudiant en biochimie, aujourd'hui j'ai une thèse en communication publique, mais en tant qu'étudiant en biochimie dans les années 2004, où j'ai obtenu ma licence en biochimie à l'Université Yaoundé, on avait une difficulté d'accès à l'information liée à la biologie moléculaire et à la biologie et biochimie en général, parce que tout était à l'époque encore très physique et on ne pouvait pas accéder aux équipements, au matériel. Donc, et pourtant, aujourd'hui, Internet aidant et l'idée d'open source, d'open data, d'open access, facilitant le processus, les étudiants ont accès à l'information scientifique à jour, à travers la mise en
la mise en place ou bien la mise à disposition de l'information, des données, des plateformes en ligne, des techniques comme le séquençage de l'ADN, l'analyse des données à distance. C'était un peu difficile, mais aujourd'hui, nous avons des plateformes en ligne qui facilitent ce travail-là, qui facilitent le séquençage, qui facilitent le design même des amorces, qui rendent libre le créateur ou bien le chercheur africain en général. Et c'est donc ainsi que circulent les données et les savoirs qui vont favoriser la démocratisation de la biotechnologie en Afrique. On peut prendre un cas tout simple. Quelqu'un qui aurait fait son protocole, par exemple à l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, et qui le met sous forme de la plateforme protocole .io, permettrait à quelqu'un situé quelque part au Cameroun de refaire, de suivre le même protocole et de faire les mêmes expériences en même temps que l'autre, de partager ces résultats et de faire avancer la connaissance. Au-delà de ces plateformes-là, il y a également d'autres plateformes beaucoup plus spécialisées, même telles que Benchling ou bien GitHub, qui permet le partage du design pour ceux qui veulent le refabriquer ou bien fabriquer les équipements do it yourself. Vous avez également GitLab. Vous vous rendez compte qu'ici, au centre, on a la liberté, hein, la liberté pour le chercheur de mettre son savoir dans le domaine public à la disposition du commun, pour la recherche du bien commun, et la liberté de l'autre qui est de l'autre côté, celui qui est de l'autre côté de l'écran, de pouvoir aller sur Internet, de puiser cette information-là et de l'utiliser sans aucune barrière. Généralement, c'est une information qui se retrouve sous licence Creative Commons ou bien sur copyleft, dépendant de ce que vous voulez utiliser. Mais c'est très important d'embrasser les libertés de l'open source pour faciliter cette circulation des savoirs. Et c'est ce que certaines organisations ont compris, certains laboratoires ont compris, en voulant ainsi, en proposant de démocratiser la biotechnologie. Parmi les plateformes que je connais et que j'utilise régulièrement à travers mon lab, nous avons Reclone, par exemple, qui est une plateforme d'échange. Nous avons l'Open Enzyme Collection, qui est également une plateforme où les gens peuvent trouver, les chercheurs peuvent trouver des structures d'enzymes qu'on peut fabriquer localement ou bien designer même des amorces. Et ceci a été rendu possible par un laboratoire particulier qu'on appelle Open Bioeconomy Lab, qui est basé à Cambridge et qui est dirigé par la docteure Jenny Molloy. Et c'est grâce à ce contact-là, c'est-à-dire cette plateforme de Open Bioeconomy Lab, que en 2018, j'ai pu mettre en place une initiative appelée le Moilab pour justement utiliser les données ouvertes dans le domaine de la biologie moléculaire et permettre aux chercheurs locaux, aux universités locales, de pouvoir avoir accès à certains réactifs, particulièrement les enzymes, de pouvoir fabriquer d'eux-mêmes les enzymes et ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon donc le Moilab au niveau du Cameroun agit à plusieurs niveaux, qui contribue à démocratiser la biotechnologie. Et pas seulement au Cameroun, parce que l'expérience du Cameroun a été reproduite au Ghana et
En Éthiopie, actuellement, au Sénégal, il y a des personnes qui sont en train de s'intéresser aussi à reproduire la même expérience parce que les résultats que nous avons obtenus sont vraiment probants. Ils sont très bons et mériteraient d'être répercutés dans différents contextes, dans différents pays, afin de favoriser bien l'éclosion de la biotechnologie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le contexte africain, la biotechnologie, c'est quelque chose de difficile à faire, là, et particulièrement la biologie moléculaire, parce que tous les enzymes, tous les réactifs sont généralement commandés de l'extérieur. Même les équipements de laboratoire utilisés sont des équipements commerciaux qui, quelquefois, quand ils sont en panne, ne peuvent pas être utilisés. Cependant, avec la bioinformatique et l'open source, on peut actuellement contourner ces problèmes-là. Et notamment avec la bioinformatique, c'est même plus facile aujourd'hui de faire. Ça facilite le séquençage, ça facilite l'utilisation de l'intelligence artificielle même en biologie moléculaire et ça rend le travail plus fluide, surtout dans les contextes comme le contexte africain où les ressources en termes de laboratoire, en termes d'équipement sont assez rares. Alors, pour venir même au fait, le Mboana, de façon concrète, agit à plusieurs niveaux dans la production locale d'enzymes. C'est pour ceux qui font biologie moléculaire, biochimie, les enzymes sont très importants dans ce processus-là. Cependant, quand il faut commander des enzymes en Afrique, et au Cameroun en particulier, il y a trop de risques en termes de la dénaturation même de l'enzyme parce que les enzymes doivent rester dans une chaîne de froid et ainsi de suite, de transport depuis l'Europe ou bien les Amériques pour l'Afrique, quelquefois peut dénaturer l'enzyme et on perd ainsi la qualité même du produit. Sur un autre plan, les coûts d'enzymes sont multipliés quelquefois par 10, par 15 au niveau de l'Afrique, un prix auquel on achète une enzyme en Occident, en Afrique, ça ne serait difficilement le même prix, voire même impossible. Alors, ce que nous avons fait en Mboana et avec l'aide de plateformes comme Reclone et ou bien le Open Enzyme Collection et du Open Bioeconomy Lab, c'est que nous avons décidé d'utiliser des protocoles qui étaient disponibles en ligne. Nous avons bénéficié de ces partages qui caractérisent le mouvement Maker, l'Open Science, pour mettre en place des protocoles locaux de production d'enzymes. Et nous avons réussi à les produire. Actuellement, ces enzymes sont utilisées dans plusieurs universités locales en Afrique, et même locales au Cameroun, et même dans d'autres universités en Afrique. Ce protocole-là a été partagé même aussi avec des collègues de Cambridge, des collègues du Ghana, d'Éthiopie, etc., qui ont reproduit les mêmes expériences et ont obtenu de très bons résultats. À préciser ici que ces résultats sont d'aussi bonne qualité que les résultats obtenus avec des enzymes commercialisées. Le deuxième aspect sur lequel le Mboana intervient, quand je dis Mboana, vous comprenez ici que c'est le Mboana Maker qui intervient, c'est dans la fabrication locale d'équipements de laboratoire. Comme je l'expliquais plus haut, quelquefois nous avons des difficultés à utiliser des équipements commercialisés parce qu'une fois qu'ils sont en panne, il faut toujours faire venir les techniciens. Or, le mouvement Makers s'interdit ce type de dépendance-là. Le mouvement Makers
c'est l'envie de faire, de fixer les problèmes de soi-même et d'être libre d'améliorer des objets en fonction de notre contexte, en fonction de notre besoin. C'est ainsi que le moine Abdon a pu fabriquer, par exemple, le shaker incubator que vous voyez là. C'est un shaker incubator fabriqué au moine Abdon et qui est largement utilisé dans les universités ici au Cameroun. Ça, c'est une pièce extrêmement, c'est un équipement extrêmement coûteux, mais que nous avons eu le bonheur de fabriquer localement et il fonctionne à merveille en utilisant juste du do it yourself, en utilisant des designs disponibles déjà sur GitHub. Nous les avons améliorés et nous avons pu créer ce shaker incubator là. Voilà d'autres appareils que nous avons pu fabriquer également. Désolé, là c'est une erreur, c'est juste un incubateur. C'est un incubateur simple sur lequel on a associé un Raspberry Pi. Et là nous avons un dessicateur. Donc voilà un peu comment est-ce que nous utilisons les données ouvertes sur Internet. Et nous échangeons avec des laboratoires qui partagent la notion, les mêmes valeurs du mouvement maker que nous, à savoir l'ouverture, le partage, pour faire des expériences dans notre contexte, sans avoir plus besoin de dépenser ou bien d'être limité par les équipements qui font défaut. Une chose très importante aussi qui contribue à démocratiser la biotechnologie est le renforcement des capacités. C'est au niveau du Mwala, nous accueillons régulièrement des stagiaires qui viennent des universités locales. Et nous travaillons avec ces stagiaires-là pour faire ensemble tout ce que nous faisons au Mwala, de la production d'enzymes jusqu'à la production des équipements, à travers ce stage-là ou bien ce mentorat-là. Ils acquièrent des compétences et ce qui nous permet plus tard de bâtir donc une masse critique d'Africains talentueux capables d'utiliser l'open science, l'open source, les données open source disponibles en ligne pour faire leurs propres expériences, pour partager aussi ce qu'ils ont pu réaliser avec d'autres. Donc, chez nous, au sein du MoiLab, dans le mouvement mécanique, le renforcement des capacités tient une place importante. Parce que nous travaillons en communauté, nous travaillons pour le bien commun. Et c'est ainsi qu'on pourra avoir une masse critique d'Africains travaillant dans la biotechnologie ou bien dans l'ingénierie médicale qui pourraient reproduire des expériences et les partager avec d'autres personnes. L'une des choses importantes aussi que nous faisons, c'est la recherche. La recherche. Actuellement, nous travaillons sur des projets tels que la CASPEL, des projets de biotechnologie qui sont très avancés. Ce sont des techniques de biologie moléculaire assez avancées que certaines universités, je dirais même dans le contexte camerounais, par exemple, les universités locales ne font pas encore cette technique-là. Mais nous avons bénéficié de l'ouverture et du partage que véhicule le mouvement maker pour faire ces expériences-là dans notre contexte. Donc, voilà un peu de façon globale les activités que le MoiLab fait en utilisant l'open science pour démocratiser la biotechnologie. Parce que tout ce que nous faisons, nous le documentons. Nous partageons les formations sur Wikipédia. Nous partageons nos designs sur des plateformes telles que GitHub et GitLab. Nous faisons des conférences ou bien nous faisons des présentations lors des séminaires de clones au cours duquel nous partageons notre expérience avec les autres, ce qui permet de nous améliorer et facilite la réplication de nos expériences ailleurs dans le monde. C'est très utile pour les contextes comme les nôtres, pour les contextes bien sûr, et particulièrement pour l'Afrique.
Cependant, malgré tout ce potentiel, l'Afrique semble ne pas encore avoir, les Africains en général, non pas, semble ne pas encore avoir saisi le potentiel, le plein potentiel même de l'open science pour la démocratisation de l'Afrique, ce qui fait que aujourd'hui, on court d'énormes risques de technocolonialité. C'est-à-dire cette logique de colonialité là, liée au transfert des technologies, parce que nous sommes dépendants. Hein, nous manquons de ce que les makerspace ou bien le maker en Afrique manque énormément de soutien local. Hein, et par conséquent, il y a très peu de financement. Il faut toujours aller chercher à l'international. Et quand on va chercher un financement à l'international, ce n'est pas toujours chaque fois notre agenda qui est respecté. Il faut respecter l'agenda des bailleurs de fonds. Et ensuite, on peut également déplorer le manque de ressources de base et quelquefois même, s'il faut revenir là-dessus, les problèmes d'électricité, les problèmes d'accès à la connexion Internet sont des choses qui freinent le mouvement maker en Afrique. Néanmoins, nous ne nous sommes pas arrêtés là parce que nous pensons que les avantages et sont plus énormes que ces difficultés-là. C'est pourquoi, au niveau du Mbualab, avec la collaboration des collègues de Cambus, nous avons mis en place Beneficial Bio, qui est une entreprise sociale qui distribue actuellement le matériel en Afrique, le matériel de biologie moléculaire en Afrique. Et nous, nos protocoles sont ouverts, nous partageons l'information, nous utilisons les technologies ouvertes pour faire cela. Résultat des courses, nos enzymes sont 10 fois moins chères que les enzymes commercialisées, mais avec la même efficacité, justement parce que nous avons adopté les libertés du mouvement maker, de l'open source, nous avons adopté les valeurs du mouvement maker pour arriver à ce résultat-là. Beneficial Bio comme entreprise a plusieurs nodes situés en Afrique et l'un des nodes de production est situé au Cameroun, dont les réactifs, les enzymes, tout ce que nous produisons sont faits par des Camerounais qui bénéficient de l'open science et qui ont cette expertise-là qui est reconnue partout dans le monde. D'ailleurs, le magazine Nature, que certains d'entre vous connaissent, je dirais même la plupart d'entre vous connaissent, a déjà publié 2 articles sur les activités de Mbualab en termes de démocratisation de la science et de la démocratisation et même de leadership dans le domaine de la biotechnologie en Afrique. Sur ce, je vais conclure en disant la formation des Africains, c'est-à-dire le renforcement de la capacité aux techniques d'open source ou bien aux valeurs d'open source est quelque chose de très important. L'open science en général est quelque chose de très important parce qu'en l'informant aux techniques de recherche d'informations, de partage d'informations, de travail collaboratif, on bâtit ainsi le socle même de la créativité qui permettra à court terme à l'Afrique de saisir le plein potentiel de la biotechnologie. D'où, pour moi, le mouvement MECA est une chance pour démocratiser la biotechnologie, pour venir à bout des problèmes de santé et des problèmes d'accès aux réactifs dans le contexte africain. Ce que je dis pour la biotechnologie vaut de même pour toutes les autres disciplines scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, que ce soit dans le domaine de la robotique, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'éthique même, et ainsi de suite. L'open source, les libertés, l'open science et ses valeurs, le mouvement maker et ses pratiques vraiment sont de grosses opportunités de développement pour l'Afrique.
Sur ce, je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Sur ce, au revoir. Merci.